C'est pas grave, ça m'arrange, hein. Une armure de catin, ok. Ouais, ça fait un peu saltimbanque en ton histoire. Alors j'ai peut-être droit à une armure. Peut-être encore mieux. Waouh, putain, j'ai le droit de porter celle-ci. Alors là, j'aurais pas cru, hein. Oh, je peux même porter celle-là. Ah, c'est vraiment Ouga Chaka, quoi. Et l'armure maudite. Rapport à l'armure de Berserker, c'est beaucoup mieux, hein. Mais bon, c'est pas très harmonieux. Merci Golgocha Foin pour les 300 000 bits. C'est pas ce qui se fait de mieux. Alors que celle-ci, au moins, on sait qu'on respecte la famille, quoi. Merde, putain, attends, non, ça c'est le casque. Ah si, là on peut invoquer une invoque. Viens avec moi, Pieta. Ah donc là on est enfin obligé de le tuer, ce connard, et on peut enfin le taffer. Et en plus on lui a enlevé son cheat code. Toujours aussi dur à... Toujours aussi dur à compresser le rouge. Dans un stream et même en vidéo, hein, de base. Les nuances de rouge, elles sont... Ah, il est juste plus protégé du tout ? Sortir son dragon là. En fait, c'est, il est chiant à surveiller, le gars, quoi. Pieta, fais gaffe à ton cul. Tester la balle rebondissante quand même. Elle se prend beaucoup de choses dans la gueule.
Oh merde, 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 putain, j'ai trop joué con, pourquoi je me suis pas soigné? Peut-être qu'Arthéon est plus tanky, s'il y a moyen de l'invoquer. Même si là, les dégâts sont de feu. Non, par contre, c'est interdit, genre. Merci, Exitium! Protection de feu. Là j'ai 51. Je peux passer à 80. 14. Ça c'est 197 de protection du feu. Ça c'est carrément 60 parce que c'est le brassard dévastateur. Non, il y aura pas mieux en termes de feu que ça. Et c'est la classe. Petit check du swag, double check. Après celui-là, j'aime bien qu'il soit jaune. Le brassard, il est rouge. L'épée, elle est rouge. Let's go. Le souci c'est que moi je les ai tués au début. Du coup j'ai pas eu cette phase. Ah, la prisonnière torturée. Waouh. Je peux enfin invoquer la pyro. Ma maman. Alors attends, on va se prendre le truc de base. Et ça. Et l'anneau de résistance au feu. On est à 734 de résistance au feu. Et du coup, le buff de défense, il faut pas le mettre rapido quoi. La prisonnière, tu pouvais mettre des vêtements, hein. Il y avait vraiment aucun problème avec ça. Et il va faire sa première attaque là. Oh. En fait, il y a des attaques, il n'a pas envie de charger le truc comme il avait promis, quoi. Ah, c'est rentable quand même, hein, quand même. On peut rien faire quand il fait son truc de dragon. Ça
C'est vrai que level 1, bon, c'est plus compliqué, quoi. Je sais plus combien de temps dure le combat quand tu essaies de le tuer level 1, mais c'est assez indécent, quoi. Qui se bouffe quoi. Ah, elle va crever. Merde putain, je vois pas son truc. Vas-y, on essaie de pas crever comme une merde. Oh non, il m'a tué. Oh, le saligo. Putain, avec son attaque finale. Mais je pense que ça compte, non ? On a looté. Alors j'ai réussi, j'ai fait le coup de pied sans vouloir le faire. J'aurais dû lui mettre un vrai critique viscéral. Mes couilles en ski, quoi. Du coup, qu'en est-il ? Qu'en est-il réellement ? Alors attendez, on va. Je déteste ce jeu, bien sûr. Ça n'a pas changé. Match nul. Y a pas une cutscene avec Arthéon qui vient le tuer ou quoi? Ou là son dragon est venu le bouffer, j'ai pas trop compris. Ah voilà, regardez ça, 30 en vitalité, magnifique. Mais non, mais du coup faut arrêter d'y toucher maintenant. Putain, on avait re un score pour tout rond. L'hérésie est pure. L'huile d'olive purgée. Je peux même mettre celui-là. S'il vous plaît. Merci Sabaton. Do you really think you can do this to me? I'm the real power at the heart of this kingdom, not the royals, or you, or your imaginary. Attends, là on a tué et du coup c'est là maintenant qu'on était censé arriver au truc? Your last chance.
C'était pas la bonne sortie. On est d'accord que c'est là qu'on avait croisé un espèce de prêtre du feu avec avec des chiens et tout le bordel. Non, putain, c'est pas le même. Pas la même arène, mais on dirait exactement le même. Ah oui, et du coup, on revient là. Et ce n'est pas ouvert. Je perds mon latin. Un gros démon avec plein de chiens. Oui, d'accord, ok. Non, bah, ok. Ça, on y était grave au pif tout à l'heure, quoi. Bah, c'est dur de le tuer avant quand t'es low level. Quand tu es déjà low level et qu'en plus t'as qu'une seule chance de le finir, genre faut le first try ou jamais, ou qu'est-ce qui se passe? Peregrine Took. Ah, mais c'est Arthéon. Ça y est, on y est. Et pourquoi ça a pas fait des dégâts blancs? Je ne veux prendre que des dégâts blancs en fait. Tant que je suis en charge, c'est dégâts blancs quoi. Il essaie de briser ma stance. D'ailleurs, je t'aime beaucoup. Ah, mais là, en fait. Ah putain, c'est que le feu me fait perdre mes dégâts blancs. Alors il a plus aucune stance donc. Ça devrait faire tellement plus de dégâts. Maybe some runs. Oh, le marteau du pèlerin de fer et la rune d'Adir. Ah par contre du coup je serais curieux de tester cette rune. Bien sûr, après une cinématique qui donne la mauvaise fin. Je rigole dans ça. Ce qui est marrant, c'est que lui, il a eu plusieurs cinématiques rien que pour lui. Y compris si tu tues le mec en dragon dès le début du jeu. Puis là, tu le... Ciao. Qu'est-ce que t'as dit plus tôt, comme quoi t'avais refait 21 fois le tuto pour essayer de le tuer? Non mais vous imaginez, enfin on va pas faire ça en stream les gars quoi. Après tant mieux si vous kiffez le jeu à votre façon, mais doutez bien que c'est pas ce qu'on va faire quand on est sur une partie comme ça.
Mais de toute façon, la rune, je peux la placer là. Ah, mais j'ai un troisième emplacement, magnifique. Ah, mais attends, mais la rune d'Adir n'est pas une vraie rune. C'est un objet clé, ok. La balle rebondissante, vraiment. Attends, et du coup, son marteau, là? Même s'il est beaucoup trop tard pour changer d'arme, hein. Fallait se réveiller. Ah, son marteau, oh, c'est un marteau de force, c'est pas du tout un marteau de. You be on your way, lad. Tell the date this. Le boss sur le dragon peut arriver plusieurs fois au cours du jeu, pas qu'au tuto, il m'a tabassé avant d'entrer dans la ville de feu. Ouais, non, non, mais moi aussi, mais à chaque fois, genre, il nous tue, puis après, il est plus là, donc. Tu peux ni le taffer ni invoquer, donc forcément, il fait le malin. Mais Peregrine, tu vois là, j'avais pas lâché mon coup et pourtant il m'a tué. C'est ça qui m'énerve avec cet œil. Déjà je vois une libellule tu vois donc j'ai pas envie de jouer. Robocop, il y a moyen qu'on y rejoue en live hein. Elle m'a poussé parce qu'elle a chargé son coup de merde, de libellule, de début de jeu pourri, de jeu de merde. Ah, t'as eu le bug comme quoi il continue à taper là dans le vent, là, comme on avait eu avec le Templier, je crois, ou le. Je sais plus quel gars. Le bullshit game design. Par contre, cette épée, je n'ai toujours pas compris avec quelle inconsistance elle proquait son coup de feu. Des fois, on a la flamme, des fois, on l'a pas. Quand ça tue un mob? Non, parce que on l'a fait des fois on le fait sans que ça tue. Pas une barre invisible comme le saignement, mais je sais pas. En fait, quand je l'ai récupéré cette arme, j'avais l'impression qu'elle le faisait à chaque coup. Puis plus on joue avec, moins elle le fait. Tu vois, elle l'a fait deux fois.
En fait, on va pas se retaper un boss de début quoi. Enfin. Ça me paraît si absurde des cancers. Qu'on a une épée lourde plus 10. Hein. On ne tue personne. Dans cette merde. Le niveau m'a saoulé, il n'a pas commencé quoi. J'ai 4 trucs, donc vas-y. On voit la sauce là parce que ça m'a saoulé. Mais si, bon, voilà. Bon, c'est pas grave. Mais oui, j'ai l'impression qu'effectivement, l'arme. Ma build me semble de moins en moins puissante au fur et à mesure qu'on s'améliore. Genre, regarde, encore le même sous-boss. C'est un complot. Mais on rappelle que c'est le sous-boss qui était là déjà pour te casser les couilles avant le premier vrai boss. Et il me touchote, hein. Peu importe mon armure lourde, mon niveau de brasier, je me fais ouvrir en deux. Le catalyseur de base aussi. Ouais, mais en fait, j'étais pas sûr de voir l'intérêt d'améliorer le deuxième catalyseur de feu. Enfin, mais madame, vous êtes un PNJ, enfin, genre, vous l'a pas dit. Et moi, ce truc là, il fait beaucoup moins de dégâts que ça. Hein. C'est vraiment de la merde ce sort. Hein. Hey.
sûr, hein, moi si j'ai lance-flamme, hein, ce sera tout pourri. Et mon coup de pied, il passe jamais quoi. Tiens, prends-le dans le cul. Là, elle a réussi à briser ma stance alors qu'elle est sans, elle est pas censée être brisable. Tiens. Ferme ta bouche. C'est Toux. Ce boss là aussi, lui aussi a bug chez moi. Bon. Bon, de toute façon, il fallait passer dans le monde. J'avais tout prévu d'arriver dans le monde des ténèbres. En fait, il y a 10 vrais boss et 20 mini-boss. Tu veux bien locker... Non, mais tu fais comme si... Regardez le système de lock. Magnifique, hein. Je ne peux pas locker le truc qui est au milieu de l'écran. Je fais droite-gauche. Il ne le trouve pas. En fait, si le lock ne servait qu'à se battre, ce serait presque moins handicapant que de servir carrément au puzzle et au loot. Parce que du coup, ils savent que tu vas essayer de locker des trucs dans un endroit plein de mobs. Ils en ont rien à foutre. Oh, une quintessence, ça par contre, on peut le prendre. Alors, j'ai pas du tout essayé de faire ça. Parfois, t'es mis droit devant, ça lock un mob random à 500. Et surtout, ça te bouge ta caméra, quoi. Enfin, des fois, tu vois un gros lard derrière un pot de miel, là. Et en fait... bah, il estime que tu veux pas le locker parce que y a d'autres ennemis à côté. Non, je vais essayer de descendre. Il y a quoi en bas? Mais c'est le début de la map. Je suis débile. Non, c'est pas la même libellule. Au secours! Ça allait bien le coup. Tu crois que le feu, c'est quand mon arme percute le sol. Oh. Pourtant, ça le fait sur les... Non, je m'en fous. Je m'en fous des 5000 trucs. Attends, non, j'en avais combien d'âmes? J'ai clairement pas dépensé ce que j'avais. Je crois que j'en avais 6000. Plus dans le genre. Merde, putain, il est là. En fait, je ne devrais pas me battre contre les mêmes gars, les mêmes villageois qui faisaient peur au début du jeu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chiant, en fait.
J'en attends mieux d'un jeu. Merci Darko. Parce que les mecs à la hache là, c'est les gars du début. Ah donc c'est quand ça proc embrasement. Je sais pas, les premiers combos que j'ai fait, ça faisait systématiquement après chaque coup. Ou alors c'est que les mecs ils stackent direct quoi. Ah merde, je pouvais level up effectivement. Attends, mais le jeu veut que j'aille où? J'avais pas vu le truc ici. De la fin sont beaucoup plus résistants. Oui, mais en fait, si c'est pour nous insulter, faites un palette swap sale quoi. Mettez les roses, mettez les violets comme dans un mauvais beat'em up. Comme ça, on sait à quoi on a affaire quoi. On passe level 80. Castel Bramis. J'ai déjà vu ce décor. Putain, alors là la compression va prendre cher. Encore des maîtres chiens quoi. Là ça refait bing blong. Elle a fait deux fois. Doucement le chien. J'ai combien de résistance au feu là? 470, ok. Attends. Mets cette couronne. Ça passe à 514. Ah oui d'accord, c'est pas rien quand même là les dégâts. N'importe quoi hein. Oui puis à travers les murs, bien sûr. Skybuds, si t'es gentil, oui je veux bien. Il y a 131 de feu. Regardez la jupette. Hein. On va se mettre le protection de feu. On va surtout éteindre. Oh, je trouve ça bien. Ah mais attendez, on a récupéré une de quoi améliorer nos astuces. Des chiens de toutes les couleurs, de tous les goûts. Ah c'est l'épée de l'ordre déchu, excuse-moi. Our holy work continues. Améliorons le sanguinarix. Et je suis sûr, du coup, il y a vraiment moyen de l'avoir plus 10. J'en ai loupé tant que ça. Et je crois qu'on a à peu près un peu moins de 30 heures là. Ouais, plus 10, putain. Faut les trouver les trucs, hein. Donc là c'est deux par deux. Bon du coup
Même avec la protection giga anti-feu, on va se faire tout shot par les magiciens de feu. Donc la tactique restera de faire comme s'il n'existait pas. Je suis mercenaire. Et maintenant ça me donne 90. Dans les 7 et elle me donne 90 de feu. Oh putain de merde. Et du coup il y a de la lave dans le monde de... des morts. Ouais. Stop. Plus 7 ou plus 8 je crois, devoir chercher à chaque fois dans l'ombre le relou. La zone est assez relou. Vous avez vu à quel point on prend cher alors que je suis à 669 de protection de feu. Moins d'avoir ça mais qui m'empêche de... Ouais. Pour le coup c'est vraiment de la déco cette connerie. Hein. C'est juste chiant de savoir où tu marches, tout est de la même couleur. Oh non, 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 pas eux. Ah, ils nous ont gâché la vie. Non mais attends, mais c'est pas... Par où est la suite? Oh là là! Faut passer derrière là? Ah mais attends, il y a... Putain, en plus il faut se balader... Oh là là, alors qu'il y a un truc de tout shot. Faut que je fasse